Bonjour tout le monde, bonjour les gens, c'est Chuck Maurice sur Papy Gaming. On se retrouve pour la suite de Outlast 2. C'est parti. Mon dieu, Blake! Tu vas bien? Non! Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien! Ah oh, merde, il faut partir! Hey! Vas-y, barre-toi. Lynn! Où est-ce qu'on va? N'importe où. Mais restons pas ici. Qu'est-ce qu'il y a? Mon ventre. J'ai mal. Il y a quelque chose qui va pas. Merde! Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je dois m'arrêter. J'ai juste besoin. Oh, mon dieu. Bordel de merde, Lynn! Qu'est-ce qui se passe ici? Je croyais que t'étais mort. Quand t'es tombé, je croyais qu'on était tous morts. Tout va bien. Je suis là. On va sortir d'ici, ok? Oh non. Qu'est-ce que t'en fais? Ça, je peux pas en parler. Lynn. Je t'en prie, Blake. Ne me pose pas de questions. Ils arrivent. Ils arrivent. Ils l'ont enfanté avec la semence du diable. Je le sens bien. Non, on dit pas enfanté. Bref, la porte, le fils du diable. Quoi? Ah voilà, c'est ça, voilà. J'en sais rien. Il est fou. Ils sont tous tarés. Lynn? Je t'en prie, Blake. Je veux juste quitter cet endroit. Est-ce que t'es enceinte? Bordel, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas. Pas maintenant. Quittons cet endroit. Je t'en supplie. Ok. D'accord. Le diable de son ventre, écrasez-le sous vos talons. La révélation est à nos portes. Et comme les anges, nous ne devons montrer aucune pitié. Oh mon dieu. Allez-vous-en. Nous allons être très doux. Je jure devant Dieu que le premier qui me touche, lui crève les yeux. Dieu veut l'enfant. Non. Dieu l'appartient maintenant. Dieu veut l'enfant. Dieu veut l'enfant! Non! 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 Oh les salauds, qu'est-ce qu'ils lui font? Je peux pas bouger en plus. Il y a des bestioles qui viennent. J'ai regardé mon père. Qu'est-ce que c'est que ça? Un dieu à mort. Putain, c'est les batailles de tarés. Ils sont tous pétés de la carasse et ils se battent entre eux. Merde! Lynn! Tout va bien, petite. Non. Elle reste avec moi. Avec le père. Dieu ne t'aime pas. Pas comme je t'aime. Oh, c'est dégueulasse. Oui, mon amour. Ah. Petite mère est là. Je pense qu'on se reverra. Oh. Lynn!
Mon Dieu! Oh, Seigneur! Qu'est-ce que c'était que ça? Ils les ont appelés hérétiques. Ils ont appelé Lynn mère. Et il n'y a pas que la secte. Il y a deux camps. Les chrétiens et... Et les sataniques. Et autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Alors, ainsi, à la maladie jusqu'à la mort. Il peut y avoir beaucoup de bandages. Allez, on respire un peu. Je me retrouve dans le collège, dans mon délire du début là. On voit vraiment rien en plus là. Une classe de musique. Je suis désolé de devoir faire ça. Tu aurais dû m'aimer. Tu aurais dû m'aider. Bon sang, pardonne-moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement désolé. Bon sang, c'est Jésus, pardonne-moi. Jessica et Lynn, quand nous étions... D'accord, c'est la photo qu'il y avait au début. Oh merde. C'est la photo qui était dans le... Je suis de retour en quatrième. Dans le vestiaire, donc c'est moi avec la nana dont je rêve et ma femme. Enfin, ma future femme, ok. Il y a dû se passer un truc avec elle. Mais qu'est-ce que je fous
ici, dans le passé. A priori une école catholique. Il y a de la lumière là-bas. Et quelle heure ? 13h50 ou 1h50, je sais pas, du matin. Pourquoi j'ai pas envie d'aller le voir? Ah, c'est fermé, zut. Je n'ai donc pas le choix. Donc pas le choix, bon on va essayer. Oh, je le sens pas là. Oula oula, c'était quoi? Il a disparu. Oh, j'ai le stress total. Neige. On est tout droit. Oula. Elle me l'a revenu chez les fous, je suis sûr. Oh putain, c'est qui lui? C'est vous, pas vrai? L'étranger? L'œil de Blotte, ouais. Ils vous ont tué, pas vrai? Non. Ah. Pas encore. Eh ben, ils le feront s'ils vous trouvent ici. Venez. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ethan. Je veux dire, êtes-vous l'un d'eux? Ça n'a pas l'air. Dans quel camp êtes-vous? Vous voulez savoir pourquoi j'essaie pas de vous tuer? Je suis... encore un être. J'en ai trop vu pour garder la foi. Mais vous n'êtes pas avec les autres, hein? Les hérétiques. J'ai rien dit quand ma femme a eu la dalle. On a dû la chasser. J'ai rien dit quand Nott s'est couché sur ma petite Annalie. Elle a à peine 15 ans. Oh, je suis désolé. Mais quand il a voulu mon petit-fils, le bébé qu'il a planté dans le ventre de ma fille, qui devait être l'antéchrist, j'ai dû l'éventrer et tuer l'enfant. Oh, quelle histoire sordide. Je lui ai donné une chance de s'enfuir. J'ai baratiné ces crétins. J'ai toujours su quoi dire. Vous avez peut-être déjà remarqué. Jinto. Quoi? Votre fille. Elle était enceinte de 8 mois. Des cheveux blonds coupés courts. Oui. Qu'est-ce que vous savez? Vous l'avez vue? C'est pour elle que nous sommes venus ici. Est-ce qu'elle va bien? Je vous en prie. Monsieur, dites-moi qu'elle va bien. Elle va bien.
Vaut mieux pas lui dire qu'a priori. Dieu merci. Elle s'est fait assassiner. Dieu merci. Et que Dieu vous bénisse. Venez, vous feriez mieux d'entrer. Bon, j'ai pris l'habitude de fermer les portes derrière moi. Quoi? Ah. Oh là. Vous vous êtes vraiment fendu la tête, pas vrai? Oui, ça va aller. J'ai... Descendez dans la cave. J'ai un lit en bas. Vous pouvez vous cacher jusqu'à ce que vous alliez mieux. De toute façon, j'ai pas trop de choix que de lui faire confiance, a priori. Hein. Je fais juste un petit tour vérifier qu'il n'y a rien à récupérer. Tout va bien. Détendez-vous, je vais vous protéger. Reposez-vous et prenez des forces. Ethan va s'occuper de vous. J'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait clair non plus, lui, mais bon. Alors, on va essayer de dormir. Sont là-haut, les enfoirés. Interroge déjà d'autres hérétiques à l'échappée. Dieu va le quitter. Ça se bat là-haut. Tu as péché lorsque tu as refusé ta fille au prophète. Tu as péché depuis pour le nier. Où est l'étranger? Sa semence a engendré notre ennemi. Dieu et le prophète veulent son sang. Laisse-moi parler à Nott, je peux tout expliquer. Dieu n'écoute pas les morts. Oh oh oh. Ne bouge pas. Je crois que j'ai plus d'amis. Ah, j'ai plus d'alliés, quoi. Fais pénitence. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ton du diable. A pu. J'espère que t'as retrouvé ta fille. Ah oui, au paradis. On va attendre un petit peu, hein, que tout le monde s'en aille. Ah, j'ai plus de batterie. Plus rien par contre. Merci.
Ah, je viens de marcher dessus. C'est dégueulasse. Ça fait un bruit bizarre. Il y a un truc là. Ah, une pile. Je suis en stress total. Écoutez, moi je vous propose qu'on s'arrête là pour l'instant, on continuera plus tard. Parce que là, je crois qu'on en a eu pour notre grade. Hein. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis à laisser un pouce bleu sous la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Allez, tchuss, à plus, bye.